miracle ne pourra s'échapper de ta vie. J'aimerais commencer par la parole. La Bible me dit, toutes les choses ont été créées par la parole. La parole de Dieu appelle en existence ce qui n'existe pas dans ta vie. La parole de Dieu appelle, ramène le vivant, appelle à la création quelque chose qui n'a jamais existé. Et la prière, la Bible me dit, tout ce que vous demanderez en priant, en mon nom, je le ferai. C'est-à-dire, nous avons des clés pour vivre des grands miracles dans ta vie. Celui qui accepte la parole de Dieu, celui qui mange la parole de Dieu, celui qui s'alimente de la parole de Dieu, même s'il mange quelque chose, la manne, je peux la manger aujourd'hui, demain j'aurai encore faim. La manne, je peux la manger aujourd'hui, demain j'aurai encore des problèmes. Mais celui qui mange la parole de Dieu, celui qui consomme le pain de vie, celui qui consomme le pain de Dieu, n'aura plus faim, n'aura plus soif. Où sont les autres? La Bible dit, si vous lisez la parole, si vous aimez la parole, pendant ces périodes, quand Jésus faisait ses miracles, il y avait du monde de la foule tout autour de lui. Parce qu'il multipliait le pain, parce qu'il multipliait les poissons. Des gens réclamaient, nous voulons encore plus de poissons, nous voulons encore plus de pain. Alléluia. Mais Jésus les a dit, je suis le pain de vie. Cela veut dire, pourquoi j'ai parlé avant d'arriver à cette période, Jésus a fait beaucoup de miracles. Un enfant de Dieu qui ne s'intéresse qu'au miracle sans pour autant s'intéresser à la parole de Dieu ne pourra jamais avancer devant l'Éternel. Alléluia. L'Église aujourd'hui n'accepte plus la parole. Je me suis posé la question, quand Dieu m'a donné ce message, j'ai dit, Dieu, je sais que tu as mis quelque chose en moi. Pourquoi tu ne permets pas cette chose-là d'exploser? Il dit, explique à mon peuple où sont les autres. Si tu aimes Dieu à cause des miracles, ce n'est pas un amour parfait. Si tu aimes Dieu à cause des pains multipliés, ce n'est pas un amour parfait. Jésus les a dit, si vous voulez consommer quelque chose, consommez ma personne. Or, Jésus, c'est la parole. Il dit, je suis le pain de vie. Et si vous lisez dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Et en elle, il y avait la vie. Et la Bible dit, la parole a été faite chair. C'est que Jésus demandait aux Israélites de ne pas seulement rester bloqués en mangeant la manne, de ne pas seulement rester bloqués à voir la multiplication des pains, de vivre des miracles, mais consommer plutôt cette corps-là qui donne la vie. Celui qui mange cette corps a la vie éternelle. Celui qui consomme cette corps vit la vie éternelle. Celui qui consomme cette corps ne mourra jamais. Mais celui qui mange la manne doit mourir. Celui qui mange des miracles doit périr un jour. Jésus les a dit. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Peuple de Dieu, quand nous mangeons, ce que nous consommons nous donne la vie, nous donne la force de vivre. Mais c'est-à-dire, si nous sommes réunis ici, nous sommes réunis à cause de la vie éternelle. Quelqu'un qui ne mange pas la nourriture charnelle ne peut pas avoir une bonne santé charnelle. Celui qui ne mange pas bien aussi la nourriture spirituelle n'aura pas une bonne santé spirituelle. Parce que des Israélites étaient penchés au miracle. Il dit, il va multiplier, donnez-nous encore le pain. Nous voulons le pain, nous voulons plus de pain. Et lorsque Jésus commençait à parler comme ça, beaucoup de gens qui suivaient Jésus à cause de ses miracles, ils commençaient à s'éloigner. Comment expliquer? Quelqu'un qui a retrouvé, rassemblé même 70 disciples, après il s'est retrouvé avec 12 disciples. J'ai bien dit, cela est mentionné dans Luc chapitre 10, verset 1 à 24. J'ai bien déclaré. Comment expliquer? C'est-à-dire, ce qui vient auprès de Dieu pour des intérêts terrestres, il doit s'abandonner, il doit lâcher
Parce qu'ils n'ont pas compris le message. Il dit, le Messie est venu et ils pensaient seulement, leur pensée était penchée sur les choses terrestres, sur le taux des miracles, sur des signes. Mais lui, sa mission était venue de sauver l'homme, de lui donner l'homme la vie éternelle, de lui accorder, d'accorder à l'homme la nourriture éternelle. La manne, ils ont mangé ça pendant 40 ans, ils ont trouvé la mort, après c'était la fin. Des miracles, vous pouvez consommer ça pendant un temps, après vous allez aussi perdre la vie. Et la Bible même dit, quelle est l'importance de tout avoir ici-bas, mais de ne pas aller au ciel. Si Jésus était venu, première chose, c'est pour donner la vie éternelle. Il disait, vous avez vu des miracles existent, je suis capable de faire quoi que ce soit, je suis capable de multiplier les pains, mais écoutez-moi bien peuple de Dieu, si je suis venu ici, c'est pour sauver l'homme, c'est pour accorder à l'homme la vie éternelle. Alléluia. Que la vie éternelle affecte ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la vie éternelle touche ta personne au nom de Jésus-Christ. Je dis ces choses. Si des gens peuvent venir prier avec Jean-Félix, si Jean-Félix, Dieu opère des miracles à travers Jean-Félix, des gens ne viendront pas parce qu'ils aiment Jean-Félix, mais ils viendront par rapport à des choses que Dieu accomplisse dans sa vie. Un jour, il y a une seule personne qui peut se rappeler, peut-être Maman Ogi. La puissance de Dieu n'est pas loin de nous, mais la puissance de Dieu vit avec nous. Notre expérience de la foi n'est pas seulement remplie de la puissance. Notre expérience de la foi est remplie de la connaissance de Dieu, est remplie de l'amour de Dieu qui a accepté de livrer son Fils afin que nous ayons la vie éternelle. Nous ne sommes pas serviteurs ou enfants de Dieu à cause de la puissance de Dieu. Nous sommes serviteurs et enfants de Dieu à cause des sacrifices que Dieu a offert pour notre vie, pour que nous ayons la vie éternelle. Si aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu seront séduits à cause des miracles. Jésus pouvait faire plus, il avait l'autorité et la capacité de faire plus. Parce que si vous, Dieu vous montre ce qu'il a mis en moi, tu vas aimer cela. Parce que ce qu'il a mis, il est capable de faire des miracles à travers une personne. Mais la mission qu'il élève des serviteurs, c'est de préparer les cas de l'ennemi pour amener les enfants de Dieu vers le royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement, il y aura un temps, Dieu peut te donner multiplication de pain. Mais la mission, ce n'est pas la multiplication de pain. Le miracle, ce n'est pas la mission. Un miracle peut se produire. D'ailleurs, dans votre vie, ce que tu ne comprends pas, Dieu a fait un grand miracle dans votre vie. Cet grand miracle, il t'a accordé le souffle de vie. Cet grand miracle, il t'a donné encore une journée de plus. Dieu fait des miracles chaque jour dans votre vie. Mais l'intérêt de l'évangile, ce n'est pas seulement que tu vives ce genre de miracle. L'intérêt que tu entres dans le royaume de Dieu. Que tu consommes un pain, une nourriture, que tu n'auras jamais faim. Tu consommes, tu bois quelque chose, tu n'auras jamais soif. Tu prends quelque chose qui va restaurer ta vie. Tu prends quelque chose qui va t'aider à avancer jusqu'à arriver au but. Yes. Beaucoup de gens, ils disent, j'ai prié, j'attends ce problème se résoudre, mais je ne vois rien. Écoutez, l'amour parfait entre l'homme et son créateur, ça n'a ni rapport avec un miracle, ni rapport avec l'argent, ni rapport avec la vie. Parce que j'aime Dieu. La Bible dit dans la loi, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Si l'amour est parfait, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Paul disait, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Peuple de Dieu, église de Dieu, si nous aimons Dieu, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la famine, ni la pauvreté, ni la maladie, ni la mort. Rien
rien ne pourra nous séparer. Notre amour envers Dieu n'a pas rapport avec des miracles, n'a pas rapport avec la restauration, n'a pas rapport avec des changements. Nous aimons un Dieu qui est venu sauver le monde. Nous aimons un Dieu qui nous donne la vie éternelle. Quand nous aimons ce Dieu-là, il prendra soin de nous. Jean chapitre 6, 66 à 68. Je lis la parole au nom du Seigneur. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne vous laissez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. » Alléluia. Ici, la Bible nous parle. Lorsque Jésus a parlé, que ne reste pas seulement si des miracles, ne reste pas seulement si la multiplication des pains. La Bible dit, il y avait la foule et toute la foule est partie. Partez. Mais Pierre a compris. Il dit, maître, où irions-nous? Parce que nous avons reçu la parole de la vie. La parole de la vie. La nourriture de la vie. C'est-à-dire, celui qui comprend ce message aura la capacité d'aller loin avec Dieu. Celui qui comprend cet enseignement aura la possibilité d'évoluer avec Dieu. L'amour de Dieu n'est pas limité au l'argent. L'amour de Dieu n'est pas limité au miracle. L'amour de Dieu n'est pas limité à l'élévation. L'amour de Dieu n'est pas limité à l'élévation. Si l'élévation n'est pas là, tu vas abandonner. Jésus a dit, vous aussi partez. Pierre a dit, nous avons compris. Lorsque la Bible parle de la foule, mais avec 12 personnes qui ont compris, il dit, oh, nous allons rester fidèles à cet homme. Parce que nous avons reçu, pas n'importe quoi, mais nous avons reçu la parole de la vie. Que la parole de la vie jaillisse dans ton cœur, comme une source d'eau jaillissant. Que la parole de la vie t'accorde la confiance avec ton Créateur. Que la parole de la vie fait en sorte que chaque jour dans ta vie, que tu gardes espoir. Le but que Dieu nous a donné Jésus, ce n'est pas pour seulement accomplir des miracles, mais pour nous accorder la vie éternelle. Des autres sont partis, partez aussi. C'est pour cela qu'il te pose une question, où sont les autres? C'est pour cela que j'aime toujours dire dans la foi parfaite ne regarde pas de gauche à droite. La foi parfaite ne regarde pas l'autre. La foi parfaite fixe le regard vers son Créateur. La foi parfaite voit Dieu, non les hommes. La foi parfaite, si tu regardes les autres, tu ne peux pas œuvrer. Si les 12 aussi ont tombé, l'évangile ne devait pas arriver jusqu'à nous. L'ordre suprême, quand il a été donné par Jésus, il ne les a pas dit, allez, faites des miracles. Il a dit, allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples. Un bon disciple, ce n'est pas celui qui vient pour des miracles. Un bon disciple de Jésus, c'est celui qui l'a attaché sa vie avec lui. Il a dit, je perds ma vie pour la vie éternelle. Je donne ma vie pour consommer le pain par qui j'aurais pu faire. Soyons des bons disciples dans cette assemblée. Celui qui cherche la vie éternelle d'abord. C'est pour cela même Jésus, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous serez donné par-dessus. Le plus intéressant, c'est pour cela que vous allez voir, Jésus a donné un exemple. Il est très difficile pour un riche d'entrer au royaume des cieux qu'un chameau de traverser, tu vois le fil de l'aiguille, de traverser dedans. Parce que un riche, son cœur n'est pas attaché à Dieu, mais son cœur est attaché par sa richesse. Ton cœur, ta vie ne doit pas être attaché par des choses que tu vois.
mais ton cœur soit réellement attaché à Dieu. Sinon, tu paies aussi. Des démons aussi auront peur de toi, comme ça s'est passé avec 70. Ça va être un sujet de joie, même pour les serviteurs de Dieu. Moi, si je dis seulement aux démons, tais-toi, il reste tranquille. Moi, si je dis aux démons, sors, il sort. Ce n'est pas notre joie parfaite, notre joie parce que nous avons reçu la vie éternelle. Ce n'est pas notre joie d'être voir que les démons soient soumis à nous. Notre joie parce que mon nom est inscrit dans les livres de vie. Où sont les autres qui peuvent faire des miracles, qui peuvent vivre des miracles? Mais si tu n'entres pas dans le royaume des cieux, tu n'es rien. Je vous ai dit autre jour, autrefois, Jésus disait, il dit même aux serviteurs, je fais des miracles à ton nom, je fais ceci à ton nom. Il te dira, je ne te connais pas. Dans cette église, si vous voulez avancer, même quand Dieu va te donner un don, parce que Dieu va vous donner des dons, ne pensez pas que c'est ce qui est le plus intéressant dans votre vie, dans votre relation entre vous et ton Créateur. Le plus intéressant, nous avons appris l'espérance messianique la fois dernière. Il n'a pas hésité de sacrifier son fils, de subir l'humiliation. Et dans la croix, la Bible dit, on a mentionné roi des Juifs. Nous restons toujours, comme je disais, dans l'aspect messianique. Des gens là venaient pour un royaume de facilité. Mais Jésus n'avait pas enlevé le travail. Le travail a toujours la place de travail. S'ils ont vécu cela, maintenant c'est le temps de vivre la vie éternelle. Je suis la vie éternelle. Et celui qui est en Jésus a la vie éternelle. L'église qui attache en Jésus a la vie éternelle. Je dis ces choses. Parce que nous pouvons être des millions ici dans cette église. Mais si nous n'allons pas partir au ciel, ça ne sert à rien. Même si je vous prêche, vous dites Alléluia, vous l'êtes levé. Mais si vous ne pensez pas à la vie éternelle, nous sommes nuls. C'est la vérité. L'église, un enfant de Dieu, doit savoir, un jour, j'irai et je vais rendre compte face à mon Dieu. Des gens qui ont compris, seul un groupe de petites, un nombre de minorités, 12 personnes qui ont compris, qui ont permis que l'évangile arrive jusqu'à toi. Si c'était à cause des miracles, l'évangile ne pouvait pas arriver. Parce que sa mission, c'était de sauver le monde. Des gens là voulaient seulement que la manne tombe sur place. Nous aussi, vous aussi, vous êtes grandis dans un pays, la manne n'a pas tombé. Mais tu vis. Alléluia. Amen. Tu vis. Il y a des fois, même on manque, mais Dieu nous fait toujours grâce. Il nous dit même dans la parole, ne vous inquiétez pas au sujet de boire et de manger. Que Dieu te donne au-delà de tes pensées, afin que la gloire revienne à lui et que Dieu bénisse la parole de Dieu. Amen.